Mon nom est Barbara Paquette, je suis la présidente du conseil d'administration de Lactanet Canada et productrice laitière à Saint-Côme-Linière au Québec. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour Lactanet, une journée de célébration, car nous allons vous présenter les troupeaux les mieux gérés au Canada en 2021. Par notre indice de performance du troupeau Lactanet, nous sommes en mesure de vous dévoiler les 25 meilleurs troupeaux du Canada ainsi que les plus performants par province. Je tiens à vous féliciter en mon nom personnel ainsi qu'au nom du conseil d'administration, vous, chers producteurs, productrices, ainsi que vos équipes, car les résultats que vous nous présentez aujourd'hui sont exceptionnels. Ils reflètent la rigueur, la détermination et la passion que vous mettez chaque jour dans votre travail, dans votre entreprise. Je tiens aussi à remercier les gens qui sont présents avec nous en ce moment et qui participent au dévoilement. Par votre présence, je sens votre fierté, votre soutien à l'industrie canadienne laitière. Comme nous le savons tous, nous sommes des gens de cœur, les producteurs laitiers, et je suis certaine que vous prendrez quelques minutes pour prendre le temps de féliciter nos récipiendaires d'aujourd'hui. Que ce soit chez vous ou chez nous, je crois sincèrement que l'indice de performance du troupeau de Lactanet peut nous aider à nous améliorer, à identifier nos pistes de solutions et à toujours prendre les bonnes décisions. Alors aujourd'hui, prenons le temps de célébrer nos meilleurs troupeaux canadiens et soyons fiers de faire partie de cette belle industrie. En terminant, je vous remercie d'être avec nous et je cède la parole à notre directeur général, M. Neil Petroni. Hello, and thank you to everyone for joining us today. Revealing our annual Best Managed Herds ranking is probably the best part of my job. The herd owners do not know their actual ranking until today, which makes this event even more exciting. We are grateful to be able to stream the celebration over the internet for everybody to experience. After this presentation, be sure to visit our website and see the complete list of everybody we mentioned today. A video recording of this event will also be available. Although we recognize only a fraction of the Canadian dairy herds with outstanding results today, the best of the best, the full list is quite extensive and impressive. I want to acknowledge the incredible effort, commitment, and work that goes into developing a high-performing herd. But first, a little bit about Lactanet's Herd Performance Index. We have six key areas that drive today's dairy farms, and they include milk value, udder health, age at first calving, calving interval, herd efficiency, and longevity. We award points for each of these six indicators, and then the data is compared with 7,000 other herds in our database to provide a ranking. If more than one herd has the same score, milk value is the tiebreaker.
This calculation results in a herd performance index that tells a story of the health and profitability of the herd. As I wrap up my message and we introduce you to some of the finest dairy herds in the country, I want to express a final congratulations to our featured herds in today's presentation. Your sustained efforts are very deserving of this celebration. On behalf of the Lactinet team, we are privileged to be able to serve all of our clients and help them reaching the herd's potential. Now, let's begin our countdown. Mon grand-père est arrivé ici en 1915, puis moi j'ai racheté la ferme de mon père en 1981. Puis depuis, on a agrandi un peu la ferme, on a acheté une terre de plus, puis agrossi le troupeau, puis le coton. On a toujours été dans la race Ayrshire depuis la première génération, puis on l'a très à cœur. On aime démontrer aux autres producteurs de peu importe la race, on est capable de les faire produire. Nous autres, la gestion du troupeau, ce qui est important, c'est avoir des bonnes vaches productives, des belles vaches surtout, puis que ça aient quand même assez bien balancé, bon pied, bon membre, avec des bonnes productions et des bonnes composantes. L'IPT ici, nous avons terminé troisième l'an passé au Québec et huitième au Canada. On est très fiers de ça parce que ça démontre que tous les petits détails qu'on fait, ça porte fruit. Bonjour, je m'appelle Alexandre Perrault et je suis copropriétaire avec mes parents de la ferme SM Perrault à Saint-Alexis de Montcalm dans Lanaudière, au Québec. Je suis la cinquième génération de Perrault sur la ferme. Nous avons 80 vaches et une quarantaine de relèves. En 2016, nous avons investi dans une table à robots sur le jet de sable. Elle a été aménagée en fonction de signes de vaches de Purina. Les vaches sont entrées en janvier 2017. Ensuite, on a rénové la partie entravée en stabulation libre pour les vaches carrées et les tares. Depuis ce temps, la santé et la production s'est grandement améliorée. Afin de les aider lors des journées chaudes, nous avons ajouté des ventilateurs. Tous les efforts mis donnent des résultats qui nous rendent fiers. Les outils de Lactinet nous permettent de suivre adéquatement notre troupeau.
J'utilise aussi le service du siècle pour les choix de taureaux. Je suis très fier que notre troupeau soit parmi les 25 meilleurs au Canada. Merci. L'historique de l'entreprise, c'est pas compliqué. C'est surtout mon père et mon oncle qui ont développé cette entreprise-là, je dirais. Puis en 2012, il y a eu un transfert de ferme, puis c'est la nouvelle génération qui a pris le contrôle, si je pourrais dire, des opérations, puis qui dirige l'entreprise depuis ce temps-là. Il y a une différence d'approche quand même assez marquée entre les pères et les fils. Mon père avec mon oncle était beaucoup plus axé développement, je dirais. C'est eux qui ont développé le gros de l'entreprise qu'on voit aujourd'hui. Nous, on développe quand même, mais différemment. On développe avec peut-être plus le côté performance en tête. Quand on a décidé de partir de la salle de traite au robot, c'est parce qu'on voulait aller chercher plus de données. C'est ça qui nous attirait là-dedans. Comme quand on a parti d'attacher à stabulation libre, c'était pour faciliter un peu le management de tout ça, tout regrouper ensemble puis avoir une meilleure efficacité. Quand on parle de performance ici, ce qu'on va regarder en premier, c'est la productivité du troupeau. Qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher de notre troupeau en fonction de nos installations, en fonction de nos limites. Ça nous rend fiers d'avoir été en mesure de pouvoir conclure un transfert d'entreprise avec mon père et mon oncle. Je me présente Germain Lehoux pour la ferme Bélehoux et fils. On produit actuellement 115 kg de matière grasse par jour
en traite attachée et en traite robotisée depuis 3 mois pour la moitié du troupeau. Si maître éleveur, c'est l'aboutissement des décisions génétiques et de la sélection qu'on fait, l'IPT, c'est un peu notre bulletin annuel. La carte de régie, elle, nous sert vraiment à faire du benchmarking, à identifier nos points forts, mais surtout nos points faibles, comment on peut les améliorer. On s'améliore toujours quand on se compare aux meilleurs. Les résultats de cette année sont le travail de toute la famille, à tous les jours, ça c'est clair, à toutes les fois, à tous les ans, année après année. Que ce soit le confort des animaux ou l'importance de livrer un lait de très grande qualité aux consommateurs, tous les efforts sont mis. Il n'y a pas un animal sur la terre, comme la vache, qui toute sa vie donne de grandes quantités de lait, que ce soit 60, 80 000, 100 000 kilos, puis en toute fin de vie, elle nous donne la viande. Puis cet animal-là a tout notre respect, et ça, les consommateurs, la société en général devrait se le rappeler. Si d'être le premier n'est pas vraiment un objectif pour nous autres, d'être parmi le 1%, c'est un objectif pour nous autres à chaque année au niveau de l'IPT. Bought this farm in 1947, started with 100 acres and milking 16 cows. Today we farm 900 acres and milk 450 cows. Milk recording has always been a big part of our business plan and business model. We like it for the information it gives us, particularly the benchmarking. We're thrilled to be part of the top 25 this year and to be able to share this with our staff. We have some incredible people here, Ross, Laura, Rajesh, Crystal, as well as the rest of the team, and as well as the advisors that we use on a day-to-day basis. Once again, thank you very much. Dylan Stewartson. We're all co-owners of Stewartson Dairy in Bedford, Ontario, where we milk 280 cows and raise 400 Holstein heifers. Stewartson Dairy was started in 1985 by my wife Brenda and myself. Today, the farm operates with all family members involved.
Over the past several years, we've put a considerable amount of time and effort into improving our agronomy and forage quality that the cows enjoy every day. Generations of hard work, a highly motivated team of owners and staff are huge keys to success here. Dialing in our nutrition and having facilities designed for cows to show their genetic potential are what's really helped our management. We try to do everything right for the people and every cow every day. We're very proud and humbled to be considered one of the top managed herds in the country. Thank you! Cheers! Cheers.